Bon, par contre, t'arrêtes pas de me parler. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Alors, Fess a complètement perdu les fesses. Voilà. Hey, désolé pour mon attitude. C'était pas cool. Demandez à qui vous voulez. Je suis doué pour jouer les durs. Mais allez, dépêche, ta mission. J'essaie de changer. Bon, on recommence. Bienvenue. Merci. L'équipe va vous plaire. Pour un coup. Tout le monde est costaud. Oui, bah c'est surtout moi qui fais le boulot, donc... Vous attend dehors. J'espère que Earl se trompe pas sur vous. On essaie tous de trouver un moyen de vaincre Eden's Gate. Et à mon avis, ça passera par Face. C'est comme ça qu'elle se fait appeler en ce moment. Vous voyez Face. Oui, je sais. Évidemment, on peut pas la rater. C'est ce bon vieux Joseph Seed. Le père. Face a demandé à ses fans de construire cette horreur pour son pèlerinage de merde. Vous les avez vus? Ces pauvres tarés qui défilent jusqu'à la statue? C'est horrible. Faut qu'on détruise cette statue. Histoire de faire savoir aux tarés que leur père est pas un dieu. C'est seulement un homme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faire un bon gros trou dans cette saloperie? Bah écoute, j'apprécie le simple fait que toi, petite humaine, et moi, petit humain, nous voulions défoncer un truc comme ça. Franchement, j'adore, je kiffe. On va le faire. On va le faire, chers amis. On va le faire. Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Wouah! Ah bah je l'ai eu. Wouah! L'instant kill. Attendez. Ah bah voilà. Regardez, forcément il y a un monsieur au sol. Ah. Hop là. Coup de pied dans la fermière terminé, d'accord. Ouais. Ah bah merde, elle m'appelle dans la grâce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que c'était marqué? Oh merde, ça pue. Nouvelles armes débloquées dans les boutiques. Non, madame. Hop, madame, calmez-vous. Wouah. Ah mais tu te... Oh mais merde, elle m'appelle dans la grâce. Et je suis encore hyper drogué. Et je me suis entièrement fait droguer. Bon bah c'est pas grave. Apparemment on va s'occuper de ses fesses. Bienvenue dans la grâce. Ouais, ça fait la 3-4ème fois que tu me le demandes. Tu me le dis ou que tu m'annonces ou que tu me souhaites la bienvenue, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais il s'attend qu'on s'occupe de tes fesses là. Parce que là ça commence à me saouler d'être drogué toutes les 2 minutes à mon insu. Je sais ce qu'on dit à mon sujet. Tu pensais pouvoir continuer à agir comme tu veux sans la moindre conséquence? J'ai été raisonnable, j'ai été juste. Mais tu es tellement égoïste! Tu as obligé quelqu'un à partir contre sa volonté. Oh! Dis donc, faut mettre des soutifs, hein. Ça, par contre, c'est stylé, hein. Comment elle fait ça? Mais tout ça pour jouer à quoi? Il va quand même pas tuer Virgile. C'est ce qu'est l'hubris. C'est l'arrogance face aux dieux. Oui, je sais ce que c'est. Pour les Grecs, il s'agissait d'une fierté dangereuse qui alimentait Némésis, déesse de la juste colère. Si je gagne cette main, tu devras porter ton insigne. Qu'est-ce que t'en dis? Non. Si la seule langue que tu parles est celle de la violence. Non. Sache que je peux la parler. Non. Et avec leur sang sur tes mains. On verra quel courage tu as. Non, Virgile ne mérite pas ça. Je suis désolé d'en arriver là. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. Mais toi, tu as fait ton choix. Qui a ouvert les portes? La putain de porte ouverte! Ok. Ils sont là! Je t'ai dit que je voulais pas partir. Ok. Là du coup je suis hyper méga inquiet parce que si Virgile est mort et qu'il avait d'autres quêtes à me donner, ça me fait bien chier. Wouah! Laissez-moi
Waouh, ça pue! Ça pue du cul! La leçon! T'as raison, la fessée! Moi, que je vais lui mettre, tu vas voir, à face. Énième tentative, chers amis, on va y arriver. Faut savoir que les snipers ne se prennent pas les balles tant que vous êtes pas dans l'enceinte de la prison. Ce qui veut dire que ça sert à rien d'y aller en front. Il faut y aller littéralement en passant par les extérieurs. Et le pire, voilà, c'est qu'ils sont tous équipés. Vous voyez ? Vous voyez ? J'ai eu. Ouais, je suis là, ouais. Je fais ce que je peux, hein. Je te vois te précipiter. Ne t'inquiète pas. Tes amis. Là. Hop, elle décède. C'est à pile à ce moment-là que j'ai des cheveux plein les yeux. Allez. Allez. Ah. Oh non. Ok. Voilà. Voilà. Problème résolu, ils m'ont tous perdu de vue, on est bon. Il m'a dit, il y a un truc là-bas, entrez. Ok, pas de soucis, je vais rentrer par là-bas. C'est fait. Allez. On progresse, chers amis, on progresse. C'est mieux que rien. Non, reste à savoir comment je suis censé rejoindre. Ok. Pff. Et j'ai manqué de mourir pour ça, quoi. Oh la gueule. Ah, c'est parce que j'ai pas dû. J'étais pas censé passer là où il y avait les. Les. Comment, les barbelés, sans doute. C'est les barbelés qui ont manqué de me tuer. Sacré barbelé. Ok, on y est. Quoi qu'il en soit, on y est. On est bon. Dégage, je veux même pas t'entendre parler. J'espère que t'es là. Parce que tu vas subir, ma pauvre. Pas te le cacher. Bong. On doit apprendre la vérité. Rien n'arrêtera le père. C'est une serpa qui comprenne. Je suis sûr qu'on va venir nous aider. Moissonner les âmes, c'est le sale boulot. C'était pas dans ma tête cette fois-ci. Ils vont pas tarder à comprendre leur erreur. Si arrive, tu vas crever. Totalement d'accord. Oh, je fonce. Qu'est-ce qu'il tire? Ok. Suivant. Bah alors, on va forcément nous aider. T'as vu ça, le commando? Si seulement j'avais des renforts. Ouais, c'est bon, t'as vu, t'as pas besoin de renforts, je suis là. Merci beaucoup. Libéré, délivré. Par ici. Je sais pas quoi vous dire. Attends, est-ce que j'ai libéré tout le monde? C'est surtout ça qui m'importe. Pour le moment. Oui. Ok, bon, à ton tour, Tracy. Tracy. Il est arrivé quelque chose avec Virgile et le Marshal. Et puis tout est parti en couille.
Ils ont chopé le shérif. Ils ont chopé tout le monde. On est dans la merde. Faut se bouger. La porte est fermée. Un de ces salopards à la clé. Vite! Vite! Apporte la clé! Ouvrez la clé. Trouvez la clé. T'es rigolo, toi, putain. Donc Virgile est mort. Oh putain. Clé. La clé. Tu fais tellement d'efforts. C'est triste. Putain, elle s'ouvre. Quand on sait qu'ils sont vains. Putain. Oh la vache, Virgile! Oh non, 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 non! Allez! Allez! Appuyez là-dessus! Allez, Virgile, allez! Allez! C'était un donneur de quête! Merde, on a perdu un donneur de quête! Oh, j'espère que j'ai tout fait. Mais arrêtez de siffler, putain! Y'a un mec, c'est l'irrespect dans la... Il continue! J'adore son t-shirt. C'est pas parce que je regardais Cinnibar, hein, parce que j'ai reconnu qu'il y avait un doigt d'honneur. Je me dis, merde, quoi. Et fuck the world. C'est comme ça qu'elle est. Elle enlève. Elle détruit. Oui, mais c'est parce qu'elle aime bien qu'on lui détruise ses fesses aussi. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ses fesses. Trouvez-la. Tuez-la. Faut pas qu'elle s'en tire comme ça. Je vais m'occuper de ses fesses, t'inquiète pas. Que des blagues de cul, littéralement. La leçon, affronter ses fesses. Quand tout sera fini. Je t'écoute. Nous serons tous ensemble dans la grâce. Ouais. Mouais. Mouais. Allez, ramène tes fesses, Grace. Fesses. Voilà, Grace, maintenant je voulais dire Grace. Regarde, ramène-moi tes grasses fesses. Voilà. C'est dit. Allez. Le pagne. Tu vois de quoi on est capable. Viens à moi. Et je te montrerai un monde que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Amène tes fesses! Ah. Je me suis arrêté net. Wouah! Wouah! Amazing grace, how sweet the sound. Eh merde, elle a eu le shérif. Oh, tu vas tellement rencontrer ma pelle. Tu vas tâter de ma pelle. Ton shérif était un mur. Un mur entre notre père et toi. Boum, dégage. Un mur qui te cachait sa vérité. Tiens. Oh, elle fait mal. Oh, elle fait mal. Oh, elle fait très, 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 très mal. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop, dégage. Un mur entre notre père et toi. Bah, on va donner un petit coup sur la nuque si tu veux, y'a pas de soucis. Un mur qui te cachait sa vérité. What? Fesse. Donc je vais détruire ce mur. Ok, elle a bougé. Ah.
M'en fous, je vais t'achever avec la pelle. Ah. Ton shérif n'est plus loin. Ah bah merci. Il n'est plus loin d'accepter la parole du père dans ce... C'est gentil. Oh, au couteau de lancer, quand t'es où? Il le fera. Il ne pourra plus t'es jamais faire demi-tour. Ah d'accord, en plus faut mieux que je récupère tout ce que j'ai récupéré. Oh. Ah. Ta fin est proche. J'ai trouvé. Jardin. Hop là. Tu t'es égaré. Pas si je l'ai touché là. Là je l'ai touché. Tu as repoussé notre rameau d'olivier. Maintenant, tu vas tiens, subir notre colère. Ah, je l'ai raté. Tiens, bouffe, celle-là aussi. Oh, elle lui a fait très... On va dire un ours ce bruit. Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu sais ce qui nous attend. Oh là. Le père. Pourquoi vous me donnez des medikits? Le monde touche à... Ouh, ta c'est fin. Intéressant ça comme arme, mais non. Il est malade. Tu gardes les miennes. Le père t'offre une chance de lâcher plus. Tu crois vraiment que je tremble? C'est faux. Être libre. Vas-y, réapparaît en cercle. Coucou, tu ne peux pas faire ça. What? What? Sois sage. Non, par contre, non, sérieusement. Tu trahis. Hé, je viens de comprendre pourquoi elle m'a donné des sulfateuses. Où je suis passé? Pêcheur. Tu me vois? Tu me vois plus? Tu ne peux trouvé. Pas contrarier le père. Et je contrarie qui je veux. Oh, hey. Tu ne sauras jamais ce que je sais. M'en fous. Moi je sais que tu t'appelles Fess. Alors il tu vas subir. Ah. Medikit, ça y est. Un peu tard. Tu ne te rends pas compte de ce qu'il va faire. Oh, mais t'es où? Tu es en train tiens, de faire. Ouf. Ouf. Tu refuses ma proposition? Mais je refuse, oui, de t'épouser, effectivement. Bon, finalement, je vais changer d'avis. T'es où? Tu peux frapper, mais tu ne détruiras jamais ce qu'il a créé. Celui qui vit par l'épée okay. Mourra par l'épée. Ok, là je prends tellement cher que je suis obligé de faire une pause. Ah ah ah. Que paraît gêne. Ok. Ça se passe pas trop mal. Oh. J'ai pas été assez rapide. Aïe. Voilà. Ce n'est pas ma faute. Et c'est ta faute. Cela est ma faute. Et c'est ta faute. Tu crois que j'ai voulu c'est ça? Tellement il ta faute. Il m'a manqué de force. Ah. Il m'a menacé. Ah. J'avais 17 ans. Ah. J'étais qu'une gamine. Là par contre. Non, je ne veux pas te tuer. Tu commences à réagir, je vais pas te tuer. Le père voit ce que tu fais et il n'oubliera pas. Je préférerais éviter d'avoir à te tuer si ça te dérange pas. Tu peux frapper. Tu commences à réaliser que t'étais dans la merde. Jamais ce qu'il a créé. Personnellement, moi ça me dérange pas.
ce que tu fais. Et il n'oubliera pas. Allez. Tu vas t'en sortir, ma grande. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, promis. Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Ça va aller. Ça va aller. Oh, le nombre de flèches. Waouh, calme-toi. Calme-toi. Waouh. J'espère que je l'ai pas tué. Ça va aller. Je comprends toujours pas. Désolé. T'as pris cher. T'as pas vraiment, ce que tu fais. Vraiment pris cher. Je veux pas te tuer. Je ne le ferai pas. Joseph croit qu'il va nous sauver. Mais c'est à toi que reviendra la décision. Je veux pas te tuer alors. Je choisis de pas te tu tuer. Es l'alpha. Je suis Dieu. Oh. Et l'oméga. Oui, je suis Dieu. J'adore quand on m'appelle comme ça. Ça arrive tellement souvent en vrai. Ça va aller. Je veux pas te tuer. Non. Non. Tout ça a été écrit de toute façon. Non, mais je veux pas. Dites-moi, si j'ai cassé la gueule à Fess, est-ce que ça veut dire qu'elle a une tête de cul? Non. Elle marche plus sur l'eau. T'as remarqué? Elle marche plus sur l'eau. Tu auras la gloire. Et je m'en fous. Meurs pas. Là, tu choisiras. Meurs pas. Oula, écarte pas les cuisses. Si tu refuses de l'écouter, il aura raison. Mais non, mais meurs pas. Andouille. Cul, andouille, saucisse, tout ça. Non, je m'en fous de ça. Non, je veux juste qu'elle meure. Arrête de toucher sous mon panier. Juste qu'elle meure pas, si c'est possible. A peut-être dû tirer moins de flèches dans sa tête. C'est possible. Je reconnais que les flèches dans la tête, souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour ne pas mourir. Cependant... Voilà, non. Merde. Chier. Entrer dans le bunker de Fess. Porte de Fess. Est-ce que ça s'appelle The Butt Hole? Le trou de Fess? Enfin bref, vous avez compris. Trouver le shérif. Par contre, non, mais en règle générale, j'aimerais ne pas avoir à tuer. Je suis ton père. Ok. Arrête, Dark Vador. Mais je t'écoute pas, hein. Joseph Sith. J'ai un mandat d'arrêt fédéral. Ouais. Ouais, bah j'espère que j'ai pas tué Fess. Parce que bon, c'était aussi une victime. Oh là, les yeux. Oh, les yeux. Ouais, t'inquiète. Il faut que tu me dépêches. Allez, j'y vais. Amazing grace, how sweet. Oula, non. 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 Non, mais bouge-toi le cul, idiot. Like me. Oui, oui, c'est bon, mais putain, merde, il va regarder. Débile de personnage. Oh, oh. Il faut que tu te dépêches. Vite. Allez. 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 Ouvre la porte. Oui, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Ouvre la porte.
Oh, vous êtes pas, excusez-moi, j'avais un doute sur le tournage. J'ai regardé le temps du tournage et je fais what? Et en fait non, ça va. C'est correct. Allez, la suite, on est plus dans la grâce. OK. Hop là, désolé, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. T'es presque aveugle. Tu n'as rien vu. Tu es aveugle. Oh mais non. Mais what? Ok, on est bon. Bon, j'en récupère tous les tas de flèches que j'ai perdues, mais c'est pas grave. Elles étaient bien dépensées. Aussi, il y a les différents snipers, faut que j'aille checker au sol pour récupérer un maximum de munitions. Tout en coupant les vannes. Allez, et de une. Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge centrale. What? Mais tu sors d'où? Mais non, mais. Les gens. Les gens, mes gens. Et c'est le mec que je viens de tuer en plus qui s'est relevé, on sait pas trop comment. What? Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge. Allez, deuxième. Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge des valves centrales. Ils arrivent, hein, mais... Pas les couilles, je continue. Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge des valves centrales. Vous savez quoi? Mais bien sûr. Allez. Ok. Oh, c'est de la tôle blindée, j'avais oublié. Ils sont solides. Mais qu'il est débile, il a gardé sa grenade. Allez, on fait les deux dernières. On n'a plus beaucoup de munitions. Hop là. C'est parti, on enchaîne. Il va falloir qu'on se fraye un chemin maintenant. Attention, surcharge des valves centrales.
Hop là. Ah vas-y, sors. Réduis cet endroit en cendres. Oh, compte sur moi. Fermeture de sécurité désactivée. Oh mon ami, tu peux compter sur moi pour ça. Hop là, je t'avais pas vu. Je suis content, je t'ai trouvé. Tu veux que je désactive l'endroit, je vais le désactiver. Mais tu vas voir, je vais le désactiver comme jamais tu l'as désactivé quoi. Des bombes. Hop là, c'est parti. Allez. Allez! Oh mon dieu, la porte s'ouvre toute seule! Allez! Oh mais lol! Ok! Hop là! Et de une! Hop là! Attends! Voilà! C'est fait aussi! Ah merde. Ah merci. Merci, tu m'as fait gagner du temps. C'est gentil. Merci, merci. Surcharge. La suite. Bravo, t'as réussi. L'air se dégage un peu. J'arrive enfin à réfléchir. Faut qu'on se tire vite d'ici, ça va pas tarder. Ah, j'ai des grenades incendiaires, j'ai des bombes, j'ai des munitions incendiaires. On va pouvoir servir de ça. Allez, c'est parti. Ouvre la porte. On y va. Manne-toi le fion. T'inquiète, prends ton temps, je recharge. Boum. Boum. Voilà. Casse-toi, toi, gros tas. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh putain. Surcharge imminente, évacuée immédiatement. Et de 1. On va attendre. Ok. Ils ont brûlé. Je l'ai eu. Ouf, juste après la porte, comme ça c'était violent. Ah. Ouais. Oh là 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 là, le calvaire. Rien d'être ici. Je m'évade, je m'évade, je m'évade. Allez, 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 allez. C'est bon. Mais bien sûr. Ah là, je suis passé. Ouh. Eh ben. Mais arrête avec tes flammes. Allez. Allez, c'était très très près de moi, mais...
si tu me flambes au moment où je recule. Ah 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 ah, le feu c'est chaud. Bon, non sans difficulté, chers amis, non sans difficulté. Wouah wouah. C'est le bunker de mes fesses donc. Ok, oui bien sûr. Mouais. Mouais. Ah mouais. Mouais. Bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon. Vous avez pas l'air bien. Ouais, bah c'est parce que je le suis pas. Et boum. Vous avez besoin d'aide pour entrer? Non, non, ça ira. Je pensais pas que vous y arriveriez. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. Ouais, ouais, je sais, comme d'hab. Jamais. Hey, je peux avoir un coup de main? C'est à vous de pas l'oublier. Moi, je m'en souviendrai, j'ai encore des cicatrices. Génial. Vous, oubliez pas que je vous ai tous sauvé la peau du cul, quand même. Tu sais, pendant un instant, juste avant que t'arrives, j'avais plus d'espoir, j'y croyais plus du tout. Je voyais aucune issue. Ouais. Mais heureusement, t'es arrivé. Ouais. On n'a pas pu sauver tout le monde, mais nous tous ici, c'est à toi qu'on doit la vie. Et du coup, vous avez donné un chèque de 1 milliard, c'est ça? Je suis très fier de toi. Et merde, la petite tapote sur l'épaule. Ok. Maintenant, retrouve-moi cet enfoiré de Joseph Seed. Passe-lui les menottes, ou bute-le s'il le faut. Ouais, c'est ça le choix que j'aurais en fait. L'arrêter ou le tuer. Ouais, ben on va en chier. C'est un ordre, officier. On est parti pour en chier. Bien. Oh, bonjour. Atite. Le seau a été ouvert. Oh. Ma face. Ta fesse. Ma face. Ta fesse. Elle n'était pas la première à porter ce nom, mais c'était vraiment la plus dévouée. Eh ben normalement, c'était deux. Quand elle m'a trouvé, elle vous ressemblait. Oh. Brisée. Perdue. Ouais. J'ai placé mon espérance et ma foi en elle. Mm-hmm. Pour qu'elle devienne angélique. Ouais. T'avais une fesse angélique, si tu veux, ouais. Parfaite. T'avais une fesse parfaite. Miss Bum Bum, quoi. Et ces maudits pêcheurs nous l'ont enlevé. Oh. Petit coup d'hameçon droit dans la fesse, on t'a soulevé, et puis après on t'a sorti de l'eau, c'est ça? Ensemble. C'est la foi. Et nous sommes perdus sans elle. Ah, t'es perdu sans ton cul? Ah, c'est bête. Alors nous ne devons pas perdre la foi. Oh. Et ceux qui voudront nous blesser vont souffrir. Mouais. Mouais. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau de la source de la vie gratuitement, hein, comme ils disent dans Fallout 3. Des deux manches pêchées. Wouah, débloqué dans les boutiques, 4 000 $. Oh, je vais acheter ça avant. Merci. Bon, hop. On a acheté, on va acheter une arme sympa. Alors, aussi, non, avant d'aller acheter une arme. Est-ce qu'on a, comme ils disent, buté un lieutenant? Non. Non, c'est celle-là. Si, on a buté un lieutenant. Et on a les points. On avait 17 points. On peut donc avoir une arme en plus. Ce qui veut dire que je vais officialiser quelque chose. J'ai plus de pistolet. Voilà. Je craque. J'ai déjà bien assez d'armes silencieuses, je pense. Il y a des moments où il faut, ça sert à rien d'en avoir une. Ok, bon, on est bon. Boutique, pardon, excuse-moi. Je vais continuer, j'ai rien à vendre, on est parfait. Bon, bah, on est bon.
Hop là. Oh, tout le monde est libéré, tout le monde est délivré. Vous ne mentirez plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé. On s'en va pas tout de suite. Mais nous, je pense que nous allons nous laisser là pour cet épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir laissé la vidéo. On s'est occupé de ses fesses, hein, littéralement. Reste à voir la suite maintenant. Je vais arrêter mes blagues au niveau du cul. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'aventure de Far Cry 5. Salut les gens et yop!